Hein? Bonjour, comme tous les matins, nous sommes en direct du Code Bar, Bar sur Avignon, qui nous reçoit gracieusement pour les interviews. Merci le Code Bar, une équipe bien sympathique. Pour changer, on va commencer par un anniversaire, l'anniversaire d'Olivier, c'était hier avec un jour de retard. Bon anniversaire, quelle ambiance télévision, ne pas oublier. Remercie aussi également le lieu qui nous accueille pour les spectacles, la Baie des Corsaires, c'est à Montfavet, zone commerciale de la Cristole. En face de McDo, vous ne trompez pas, hein, le restaurant. Et évidemment, Anne Laroutis qui représente Culture en Acte. Et évidemment aussi, également, Osmose Radio, la seule radio web du off, dédicacée et dédiée uniquement au off pendant tout le mois de juillet. Alors, je trouve qu'on va chercher bien loin le talent qu'on a à côté. À mes côtés, justement, Florent Parc. Bonjour Pascal. Un artiste local, on peut dire, même si ça va un peu plus que dépasser le local. Auteur, compositeur, interprète. Bah, j'espère que j'ai mérité cette appellation. Depuis que je fais ça, c'est vrai que ça serait sympa. Et déjà un CD. Déjà oui, un album. Ouais, un album qui date déjà de 4 ans et demi exactement. Un album en autoproduction. Un petit titre qui est sorti donc il y a 4 mois maintenant. Ce révèle être un album assez pop rock, romantique, avec des textes en français, des chansons en français. Et comment on crée ce pas là? On fait des scènes, on se connaît du jour au lendemain, et on va faire un album. Par rapport à ça, c'est vrai que c'est une longue histoire parce que là, sur cet album, j'ai fait tous les arrangements, les orchestrations. C'est une autre production. C'est moi qui produit et crée tout ça, peut-être à 100% si vous voulez l'album, à part les batteries et peut-être quelques solos d'harmonica ou des solos qui étaient du domaine de professionnel maintenant. Et donc, par rapport à ça, c'est une longue histoire, parce que moi j'ai commencé à écrire des chansons, j'étais tout jeune, j'étais gamin, j'avais 16 ans, 17 ans, et puis le temps a passé, j'ai eu plusieurs groupes, j'ai fait une école d'arrangeur-compositeur pendant 3 ans, pour apprendre à faire des arrangements, un jour, je me suis dit, je vais me retrousser les manches et puis je vais vraiment faire ce que j'ai envie de faire depuis longtemps, réaliser un album complet de vraiment comme je l'entendais, comme je le voulais, comme je le désirais. Donc j'ai choisi 10 titres de mes compositions pour faire justement, si vous voulez, qu'il y ait une osmose dans le choix des titres et puis dans le. Cet album s'appelle Eden Blues. Eden Blues, paradis du blues, donc voilà, donc c'est paradis de la. C'est un. Voilà. Si je vais un peu plus loin dans la détermination de ce projet, c'est rassembler des chansons un petit peu romantiques, donc dans lesquelles on peut se sentir bien et ressentir du bonheur malgré, mais dans le spleen ou dans le blues ou dans les choses, voilà. C'est pour ça que j'ai appelé cet album Eden Blues et j'en suis assez fier quand même parce que c'est beaucoup de travail et puis c'est une réalisation que je souhaitais faire depuis longtemps et puis au final, donc c'est quand même sorti. Comme je le voulais, comme je le désirais. Donc, ça va, je suis assez content. Et au niveau retour public, c'est dégagé comment? C'est pas un album qui, je pense, qui s'avère être très populaire. Donc, j'ai été satisfait par des gens qui sont venus me voir, qui ont écouté l'album, qui ont apprécié l'album de A jusqu'à Z. Ça j'apprécie beaucoup ce genre
Eh bien, simplement de... Voilà. C'est assez difficile, parce qu'en pratique, dans un album, il y a toujours une petite production des tâches. Voilà, mais voilà. Bon, j'ai été satisfait de part et d'autre par les gens qui ont vraiment apprécié ce que j'ai fait à 100%. Ça, pour moi, c'est... Je ressentis vraiment la qualité de cet album, et ça m'a fait plaisir, ça m'a fait vraiment plus que... Et qu'est-ce qui est le plus dur, la scène ou justement la création de l'album, surtout quand c'est le premier? Moi, en arrangement, composition, j'avais fait une école d'arrangeur, mais j'avais pas fait d'école d'arrangeur, c'était vraiment une théorique. J'avais pas encore mis en pratique tout cela, et donc je pense que ce qui a été le plus dur pour moi, c'est la réalisation des arrangements, de l'enregistrement aussi, parce que par mes propres moyens avec Madame Studio, et puis les moyens techniques que j'avais, j'ai acheté plein de guitares 12 cordes, parce que j'ai mis de la 12 cordes dans cet album, j'ai mis de la mandoline, j'ai mis de la guitare classique, de la guitare électrique, de la guitare folk, de l'harmonica, tout ça c'est le bottleneck aussi, du dobro, des choses comme ça, j'ai acheté tout ça, il a fallu que je me procure tout ça pour créer cet univers de cet album qui est très guitaristique, qui est très guitare. Il n'y a presque pas de clavier, presque pas de synthé, c'est vraiment de la pop folk rock. C'était quoi la question? C'était la différence entre la scène, c'était plus dur. Ce qui était plus dur, c'est les arrangements. Non, la scène, après la scène, je ne cache pas qu'il y a un côté qui est viral, hein, c'est sûr. Hein. On n'est pas connu quand on arrive sur une scène. On fait une première partie d'un groupe qui n'a aucune consonance, qui n'a aucun rapport avec ce que vous faites, par exemple, que les gens attendent, le groupe d'après. Qui fait du reggae ou qui fait des choses comme ça, vous arrivez, vous faites de la pop rock, vous faites autre chose, qui n'a aucun rapport avec le reggae, alors que la tête d'affiche c'est du reggae par exemple, c'est sûr que c'est vrai, pour la première partie, pour la tête d'affiche, donc les premières parties, c'est sûr. Et puis bon, voilà, vous ne prenez pas tout mis, il faut s'attendre à des salles. C'est pas évident, il faut... C'est la place. Voilà. Le but étant de faire la promo, si bien des artistes, tu vois que tu as sorti ta guitare. Voilà, j'ai sorti ma guitare, elle va prendre l'air un petit peu aujourd'hui. Hein? Et puis, un petit morceau, voilà. Ouais. Aujourd'hui, j'ai choisi une chanson qui s'apparente un petit peu à la saison de l'été. Et puis de la Côte d'Azur, notamment parce qu'on est dans le sud, on est pendant un festival. Parce que toi, je sais que tu es amoureux de la Côte d'Azur. Je crois, ouais. Je crois que c'est un endroit que j'aime beaucoup, c'est vrai. Le Lavandou, tout ça, on en avait parlé en rengaine. C'est au point de l'arrêt. Oui, c'est vrai. Le Lavandou, c'est vrai que pour moi, c'est vraiment un coin merveilleux. Toute la Côte d'Azur est un coin merveilleux. La côte méditerranéenne, française, franchement, c'est chouette. Quoi. Donc là, je vais interpréter donc une chanson qui n'est pas dans l'album dont on va en parler jusqu'à maintenant, mais qui sera dans le prochain album, qui est en train de se produire. D'ici, je pense, fin septembre. Et cette chanson nous parle un petit peu de la Côte d'Azur et du soleil et puis des vacances. Savoir où je vais.
gadgets pour le trouver bien super chouette. On se veut voir la France cachée. Si t'es pas le roi du pognon, va plutôt à Fossionnaire. Les étudiants, t'es qui s'opposent. Si t'as pas ton bac, fais attention. Via Gadac, là c'est l'orgie. Prêt à consommer tout cuit. Seulement voir après minuit. Partir en vacances, l'amour et l'air c'est une chance. Même si demain tout recommence, s'agit de savoir où est l'ambiance. Partir en vacances. Ça me donne envie d'acheter ton CD, tiens. Mais pour l'instant, il n'est pas encore prêt. Donc, Voilà, je vais pour me le procurer. Voilà. Est-ce que tu as un site? Est-ce que tu as. Là, pour connaître un peu plus. Pour l'instant, cet album est en production. Donc, il n'y a rien qui apparaît. Donc, si, alors, j'ai mon site, bien sûr, donc Florent Brac. Florent, comme ça s'écrit, avec Florent Parc, P-A-R-Q-E. Non, c'est vrai, mon artiste. Merci à vous. Civil. Et donc florentparc.com. Là, c'est mon site disons, ouais, officiel, on va dire, parce que voilà, c'est le site que je viens de créer il y a 6 mois à peu près. Donc, on s'est rassemblé tout mon travail avec toutes mes vidéos. Donc par rapport à cet album, ce qui apparaît sur de l'album qui vient là, c'est donc il y a une vidéo donc, qui a été faite par une télé, une autre télé donc, qui concerne un morceau, un titre donc, de cet album. Et puis il y a une autre vidéo qui a été faite donc, à Avignon où il y a une mise en scène, c'est un clip vidéo où
voilà, avec un scénario donc, qui met donc, en relief et puis qui met donc, en histoire donc, une chanson des 10 titres qui vont sortir bientôt, qui vont sortir, qui vont être produits et réalisés et finis d'ici fin octobre. Donc on peut déjà voir avec deux chansons en vidéo sur, sur le site, donc sur mon site florentpark.com. Et pour l'instant, je crois que c'est tout. Ah, moi, ce que j'oublie encore une chose, mais non, je crois que c'est tout. Et voilà, sur florentpark.com, bien sûr, on peut écouter l'ancien album, il y a 4 ans et demi, il y a tous les morceaux. Moi, je retrouve l'ancien album, alors voilà, oui, oui, on peut passer par le site. Donc il y a un MP3 qui est gratuit, un MP3 de l'ancien album qui est gratuit, on peut le télécharger là-dessus. Et voilà, donc ensuite on peut procurer l'album sur le site florentpark.com, sur donc Amazon, il y a tous les sites. Donc, télécharger l'album tous les sites de téléchargement et ensuite pour l'album physique là c'est directement donc, à mon adresse personnelle là ça se commande directement par téléphone directement à mon attaché de presse interprétiste. Voilà, pour l'album de Toulouse, il n'y a pas de problème. Pour avoir une ligne à sortir sur un club, il y a un tour sur le carnet. Je suppose que tu as pas de liquide, non, bien sûr, hein, donc là, c'est sûr. Vous allez sur cette liste. Pour faire un album de 10 titres, tu en écris combien et les autres restent sur le carnet? Comment ça se fait le choix? Et voilà. Bon, pour moi c'est ça, hein, puisque qui peut me rendre joyeux ou très joyeux ou que, enfin, qui me laisse en tout cas qui me laisse pas indifférent. Il y a des certaines chansons bon, que j'ai écrit parfois et puis bon, je peux les passer à une billette. Il y a certains qui restent et voilà. Donc moi je juge mon travail par rapport à ça. Je pense que c'est au niveau d'efficacité de l'expression. Je pense que c'est une jauge qui doit être, je pense, une des meilleures jauges du set, je pense, pour choisir quelque chose. Est-ce que tu as des scènes de prévues là la rentrée, ou si tu consacres vraiment ton temps à cet album, justement. Ou est-ce que tu vas jongler un petit peu avec les autres? Non, là, pour l'instant, là, je viens de passer les concerts. J'ai déjà dit que moi aussi, je vais poser les armes, la guitare. Je vais poser la guitare pour le mois d'août, et je vais partir en vacances, d'ailleurs. Les concerts reprendront donc en fin août, début septembre. Les concerts reprendront, mais bon, c'est au niveau concert. Donc, moi, pour l'instant, c'est assez calme parce que là, j'ai cet album à réaliser. J'ai beaucoup de travail en studio. Donc, voilà. Donc, je me concentre surtout à mon travail. Je pense que les concerts reprendront. Dans 3 ou 4 mois, une fois que j'aurai terminé vraiment l'album, parce que je me consacre vraiment à ça. Et voilà. Il y a quand même donc, un petit stand-by au niveau des concerts depuis 3 mois.
commencé le deuxième album, Vintage Standby. Mon propre petit morceau, c'était pas prévu, mais je pense que tu as la matière. La matière. C'est à Montpavé, zone commerciale de la Cristole, en face de McDo. Non, je dirais pas ici. Remercier Anne Laroutis, Culture en Acte et Tachet Presse. Tout à fait. Encore une casquette. La meilleure attachée de presse de la région. Encore une casquette à mettre sur sa tête. Remercier, bien sûr, Osmose Radio, la seule web radio du Havre. Et Olivier.
Olivier, par l'intermédiaire de Quelle Ambiance Télévision, et te remercier toi, Florent Parc, d'avoir pris un peu de temps de sortir de ton studio pour venir nous interpréter deux de tes je suppose, futur tube. Ah ben c'est moi qui vous remercie d'avoir informé de cette médiatisation. Hein, et merci à toi, Pascal, d'avoir un petit peu animé tout ça et d'avoir posé des questions précieuses. Et quand il sera sorti, ça sera un album, comme je le dis tout le temps, à consommer sans modération. Merci, Florent.